Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais dévoiler mon petit secret au cours d'un tonnage d'un tuto, un kit de suspension éclairage. Donc, vous allez voir dans cette vidéo comment je travaille, malgré la condition n'est pas parfaite, parce que je n'ai pas un studio chez moi. Donc, c'est pas un studio comme certains youtubeurs qui font, malheureusement c'est à la maison, donc on va faire avec les conditions normales, on va dire, avec ma maman qui est à la maison, qui fait un peu de bruit, et je vais vous montrer, je fais comme je peux pour faire quelques vidéos, pour vous satisfaire, pour donner des conseils au niveau des tutos, etc. Donc je vais faire l'installation, ça va être accéléré parce que ça va être rapide. Donc vous allez suivre pas à pas comment je travaille, comment j'improvise certaines choses et tout. Donc allez, let's go! Pour la couverture, en fait, une photo de miniature. Donc, je vais prendre une photo avec le minuteur. Un truc comme ça. Alors je sais pas comment je vais le faire. Alors en fait, si vous voulez, cette petite vis, ça va fixer sur la rampe en fait. Et ouais, il y a parfois les tournages, ça passe pas comme on veut. Et malheureusement, là que je reçois le colis, il me manque un petit élément. Je vais devoir me débrouiller pour pouvoir continuer le tournage. Parce que si je vais l'écrire pour une petite vis comme ça, franchement, je peux très bien me débrouiller, couper. Mais je vais envoyer un mail quand même, comme quoi il manquait quelque chose ici. Bon, le tournage, il va s'arrêter ici pour l'instant. Je vais débrouiller pour couper la vis. À plus tard!
Bon, ben vous voyez, ça va pas paraître dans la vidéo. C'est pour ça que j'ai fait cette vidéo aussi, c'est dans la coulisse. Voilà. Donc là, en fait, j'ai trouvé une vis qui correspond le pas de vis qui est dans le kit. Donc là, je vais couper ce petit morceau et puis on va continuer sur la suite du tournage. Donc là, vous voyez, j'ai rien. En fait, j'ai pas d'établi. J'ai un petit étau, mais ça suffira. Faut faire attention le bac. Je vais doucement. Voilà. Bon, maintenant, il faut trouver le morceau qui est tombé. Voilà, ça fera l'affaire, c'est chaud. Hop. Allez, on va ranger tout ça. Alors les amis, les potences il y a plusieurs sortes pour mettre sur votre bac. Vous avez ce modèle, par exemple, c'est un Wikaqua qui est moi je pense que ça doit aller, hein. Je pense que ça doit aller. Bon, il n'y a pas mon fils qui est là, Dorian, pour me donner des avis, parce que généralement lui il est derrière la caméra, il regarde beaucoup, il l'écoute. Et après, il me fait « Ouais, c'est moins bien, alors tu peux le refaire, tu peux faire mieux, enfin, bref, voilà. » Voilà, bon, ben, il n'est pas là. Donc voilà, on va passer au montage sur le bac, et puis on va voir ce que ça donne. On va changer encore de position, les caméras.
vidéos sorties. Allez, je vous dis à bientôt, vous aussi. Bon, j'espère que vous avez bien aimé, en même temps que ici, le backstage de tournage. C'est-à-dire que là, je suis en train de faire une vidéo qui va sortir après celle-là pour vous montrer l'envers du décor, comment j'ai débrouillé, on va dire débrouillé, dans un appartement à faire une vidéo et pour partager ensemble dans la bonne joie, la bonne humeur. Hein, comment dire. Allez, je vous dis à bientôt les amis et puis portez-vous bien. N'oubliez pas, soyez heureux dans la vie. Ciao, ciao!